Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle favori, haul bon plan. Cette vidéo contient une collaboration commerciale puisqu'il y a certains produits que j'ai reçus, donc que je vais vous citer. Pour le reste, c'est mes achats personnels, voilà. Et donc, un bon plan, on va commencer par le bon plan de cette vidéo, donc notamment la marque Talika. Sur Talika, désormais, avec mon code SARACHOU10, qui est valable toute l'année, vous aurez moins 10% sur tout le site cumulable avec les promos en cours. Et écoutez bien, dimanche, uniquement dimanche, donc ce sera le 12, 13, 14, dimanche 14 juillet, je crois que c'est le dernier jour des soldes chez eux, mon code promo vous donnera moins 20%. Le code SARACHOU20, du coup il se transformera en SARACHOU20, vous donnera moins 20% sur tout le site de Talika, sur les promos en cours également. Donc, je vais vous montrer, il y a des produits que j'ai reçus, il y a des produits que j'ai achetés, bien évidemment. Alors, je vous montre d'abord ce que moi je me suis acheté. Je me suis repris mon Time Control Plus. Alors, non pas comme dit, je vous l'avais expliqué que le mien ne fonctionnait plus. C'est juste qu'il était abîmé, il était oxydé, etc. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec mon code. Il m'est revenu voilà, beaucoup moins cher. Donc, je me suis repris. Et en fait, ils l'ont changé. Vous voyez, maintenant, il est argenté. Avant, il était doré. Maintenant, il est argenté. Donc, en plus, comme ça, on verra si ça s'oxyde moins. En tout cas, voilà, toujours aussi contente de cet appareil qui va venir lisser, décongestionner, faire l'anti-ride, l'anti-poche au niveau du contour des yeux. Il y a un véritable avant-après. Vous avez vu, moi, je l'avais arrêté pendant un an et je l'ai repris et ça se voit. Voilà, ça se voit. Voilà. Il est incroyable. Ce produit est incroyable. Et là, du coup, je me le teste sur les sillons, voir si ça fonctionne aussi sur les sillons. Il n'y a pas de raison. Hein. Ça fonctionne sur le contour des yeux. Ça peut marcher aussi, je pense, sur les sillons. Donc, vous avez, comme d'hab, deux programmes. Le programme vert. Et ensuite, le programme, comment il s'appelle, rouge. Voilà, rouge et orange. Regardez, hop, ça clignote. Vous voyez, magnifique. Ce truc est fantastique pour le contour des yeux. Ça aide vraiment, et comme dit, à faire pénétrer vos soins et à maintenir un contour de l'œil vraiment en bonne santé. Enfin, en bonne santé. Beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune. Tu vois, il lisse, non seulement... Au-delà de lisser, je trouve qu'il gomme en fait les signes de l'âge. Et c'est pas un effet où genre t'arrêtes et hop, il se passe plus rien, ok? Donc t'as la vibration, t'as les lumières et t'as les micro-courants. Génialissime cet appareil. La preuve, pour preuve, si je le rachète, c'est que voilà. Ensuite, je me suis commandé, parce qu'en fait, il y avait une offre, mais qui là n'est plus d'actualité, il me semble, mais vous avez d'autres offres. En fait, lorsque vous preniez trois produits, vous aviez moins 25%. Un produit, moins 10%, moins 15%. Deux produits, moins 20%. 3 produits moins 25% et mon code promo cumulable en plus, vous voyez. Donc ça m'a fait une belle réduction, donc je me suis recommandé, c'était aussi pour vous les représenter, parce que là c'est des masques que j'adore chez Talika, les bubble masks, les masques oxygénants au charbon de bambou, effet anti-pollution, purifie, désincruste, illumine le teint, hydrate et apaise. Et en fait c'est un masque noir comme ça que tu vas venir mettre sur ton visage qui va bubbler et vraiment tu as cet effet purifiant, désincrustant, effet coup de frais, effet éclat, etc. sans déshydrater, sans dessécher, sans être trop fort, vous voyez. Et donc ça, c'est un truc que j'aime énormément et qui, pour le coup, est compatible avec mon rétinol, puisque vous savez, depuis que je mets du rétinol, je fais plus de trucs voilà, purifiants, désincrustants, exfoliants, voilà, pour pas justement avoir de rétinisation, etc. Et là, c'est le bon compromis, puisque tu peux l'utiliser tout de même. Du coup, je me suis pris ça. Je me suis également pris les bioenzymes Eye Patch Ultra Hydratants. Vous savez, c'est les petits patchs. Là, je l'ai pris en format une paire. Les patchs contour des yeux. Parce que je vous avais dit que ces patchs, ils hydrataient, ok. Ils lissaient, ok. Mais ce n'étaient pas les plus hydratants, vous voyez, que j'ai pu tester. Mais ils tiennent leur promesse. Ils hydratent, ils lissent, ok. Et je voulais les comparer surtout aux masques que je vous ai présentés récemment. Vous savez, les collagènes, les purs dermes, là, qui ont été arrêtés. Et je vous disais, ce n'est pas les plus hydratants, mais ils lissent bien. Alors effectivement, ce n'est pas le même prix, mais ceux-là sont réutilisables, contrairement aux autres. Donc, justement, je vais les mettre au défi avec les autres, et puis ce sera peut-être l'alternative. Et j'avais offert dans ma commande, dès que vous faites 100 € de commande, vous avez les Eye Calm Patch de chez Talika qui sont offerts, donc c'est les patchs apaisants au regard avec du CBD. Vous savez que là, je me suis découvert un amour pour le CBD. Défroisse visiblement, réduit l'aspect des cernes et poches contour des yeux. Donc voilà, génial. Et Talika, du coup, m'a gentiment envoyé des produits
et m'a demandé ce que je voulais. Donc je vous montre ma petite sélection, ce que j'ai choisi. J'ai choisi de prendre des produits que je ne connaissais pas ou peu, plutôt que de prendre vraiment le classique comme notamment le mascara que j'aime énormément, que je vous recommande, vous savez, le mascara Lipocil, qui, alors moi je prends la version waterproof, il allonge les cils, il allonge plus qu'il donne du volume, ok. Et moi, c'est celui que j'utilise typiquement pour tous les jours, un résultat make-up, no make-up. Et ceux et celles qui me suivent sur Insta, vous le voyez tout le temps en action dans mes make-up du jour sur Insta, parce que c'est celui que je mets tous les jours au quotidien. Il allonge. Vous voyez, comme je dis toujours, voilà, quand je fais une vidéo comme ça, YouTube, etc., je veux un gros make-up, donc là, je veux vraiment un petit effet faux-cils, etc. Pour tous les jours, j'aime un truc plus discret, mais qui fasse son effet quand même. Tenue top, il bave pas, il tient bien, il a une belle courbure. Et dedans, vous avez les soins qu'il y a dans les lipocils, dans la gamme lipocils, pour fortifier justement vos cils, etc. Il est topissime. Donc, le mascara, donc, du coup, je ne l'ai pas choisi parce qu'il m'en reste. J'en ai un, moi, à la maison. Mais ça, c'est un produit que je vous recommande. Notamment, donc là, vous pourrez en profiter avec les moins 20%. J'ai, du coup, choisi le Boost Phytosérum. Sérum effet push-up naturel. Volume, lift, fermeté. Vous savez, c'est cette crème là pour les seins qui promet de raffermir la peau, etc. Alors ça, c'est un truc qui me faisait envie depuis des années. Et je suis trop contente de pouvoir le tester. Donc comme d'habitude, là j'ai commencé à le tester déjà hier. Effectivement, c'est une texture sérum, c'est pas une crème. Donc tu peux mettre ça et ta crème par-dessus. Ça, une toute petite odeur, un petit peu propre, etc. Très agréable à utiliser, ça peluche pas. Je vous en reparlerai au niveau des effets. Voilà. Et ça, pour être totalement honnête, c'est un produit que je voulais offrir à ma mère il y a des années. Je sais pas si je peux le dire ici. Bref, si je peux, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est un produit que je voulais offrir à ma mère. Et malheureusement, elle ne pouvait pas l'utiliser. Mais donc, c'est un produit que j'ai toujours plus ou moins gardé en tête et que je... J'étais surprise de voir, vous voyez, l'effet. C'est vraiment un effet push-up, comme ils disent, enfin, en tout cas raffermissant au niveau de la poitrine. Et je suis une très bonne cible, parce que vous savez que j'ai allaité mes deux enfants, donc notamment ma fille pendant 10 ans. 2 ans, pardon. Et c'est surtout que je passe, admettons, d'un bonnet B, D, enfin B, C, bonnet C, à un bonnet F. Ok? Donc, il y a de la tension et du relâchement, vous voyez. Donc, je suis la bonne cible pour tester ça, moi, je trouve. Donc, je vous en reparlerai. Du coup, j'ai demandé le Smile Code. C'est le soin duo anti-âge lèvres et contour, volume anti-ride. Vous savez très bien, s'il y a un produit lèvres quelque part, je suis obligée de tester. Je suis obligée de tester. Ma maladie, les produits lèvres, c'est mon obsession. C'est mon péché mignon. Donc en fait c'est un stylo double en bouche, j'ai déjà testé, j'ai déjà un petit avis dessus, mais j'attends vraiment le long terme pour vous en reparler, mais moi j'aime beaucoup. Alors en fait vous avez le côté comme ça à mettre sur les lèvres pour un côté repulpant, hydratant, moi je trouve qu'il est réparateur aussi. Intensité, volume, t'as pas d'effet piquant, ok, ça n'a pas un effet piquant, repulpant, etc. Mais ça donne un beau volume à la lèvre, c'est surprenant d'ailleurs. Et vous avez ce côté là qui lui va être pour les contours, pour... prendre soin de votre contour là où vous savez quand on vieillit ça a tendance à être un petit peu déshydraté, à marquer, du coup votre gloss rouge à lèvres a tendance à filer, etc. Écoutez, sur ça pour l'instant ce côté là j'ai pas encore d'avis, en tout cas c'est agréable à utiliser. Tu le mets avant ta crème, par contre quand tu fais ta routine tu le mets avant ta crème, mais ce côté j'adore vraiment, ça prend soin des lèvres, c'est un peu comme une huile gloss, c'est pas collant, c'est agréable, c'est un bel effet glossy, moi je le mets même la journée sans rien, j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai complètement terminé, mais eux ils promettent donc un duo volumateur et anti-âge pour des lèvres et le contour des lèvres. Il est associé à un soin repulpant, lèvres visiblement repulpées à 63% et hydratées à 87%, ça c'est vrai. Et un soin anti-rides, rides et ridules visiblement lissées 71%, et des lèvres hydratées à 91%. Donc vous voyez, les promesses sont quand même... c'est quand même des belles promesses. Moi pour l'instant j'en suis convaincue et j'aime beaucoup, à voir comme dit sur le long terme. Ensuite, j'ai demandé le Lipocil. Le liposourcil, parce que vous savez que moi je suis une adepte du liposil expert, mais que j'utilise aussi sur mes sourcils, mais je voulais quand même voir le liposourcil, parce que celui-ci est quand même un peu plus dosé, on va dire, comme il est fait pour les sourcils. Et pareil, en fait, vous avez ça se présente sous format mascara, avec le côté mousse et le côté mascara. Donc là, je ne l'ai pas testé encore, puisque je me suis fait épiler hier. Et avant, après, vous savez, je diminue quand même les soins, voilà, pour éviter les petits soucis d'irritation lorsque je me fais épiler. Mais là, je testerai ça dès demain. Je vais attendre encore un peu, je vais le tester demain.
densifie, embellit, accentue la pigmentation naturelle. Donc là encore, si ça fonctionne aussi bien que le lipo cils, tu vas gagner en épaisseur, en densité, en pigmentation. C'est génial. Donc le lipo cils, comme dit expert, moi je le mettais donc sur les cils, mais aussi sur les sourcils. Le contraire, par contre, n'est pas indiqué, puisque ça c'est fait pour les sourcils, et là ça c'est fait pour les yeux, les muqueuses notamment, vous voyez, donc c'est plus délicat. Donc écoutez, ça c'est, il me tarde de tester ce produit. Donc 78% de femmes, au bout de 6 semaines, observent une densité au niveau des sourcils et affirment que leur visage a plus de caractère. Non, ben, forcément, s'il y a plus de densité et plus de pigmentation, c'est plus voyant, vous voyez, c'est le sourcil est plus marqué. Donc à de tester ça, et forcément, voilà, j'ai redemandé le Lipocil Expert, puisque ça c'est mon favori. Il a même détrôné le Garancia, le Larme de Phénix, finalement. Et vous savez, le Nevia Beauty que j'avais récemment testé, que j'avais bien aimé, mais pour l'instant, rien n'a égalé le Lipocil Expert. Sérum, pousse et pigmentation des cils, vraiment ça t'apporte de la force, de la. Ils tombent pas, ils sont plus forts, plus épais, plus pigmentés. Ça, c'est un favori ultime. Et du coup, ils m'ont envoyé 4 patchs comme ça pour les yeux, les Eye Calm Patch. Donc ça, c'est trop bien, j'ai hâte de tester. Vraiment, contour des yeux, ceux qui sont pour les poches, des froisses, etc. Ceux-là, ils sont à usage unique, contrairement aux autres qui sont réutilisables. Mais écoutez, j'ai hâte de tester. Et ils m'ont envoyé le Smile Patch, le patch hydratant lèvres. Hydratant, repulpant, régénérant. Moi, j'avais testé les patchologies comme ça, j'avais pas aimé, j'ai trouvé il se passait rien. Donc là, j'ai hâte de tester ça, ceux-là, les Talika. J'ai hâte. Et c'est en biocellulose, donc trop bien. Est-ce qu'ils sont réutilisables? Je ne pense pas ceux-là. C'est pas indiqué, il y a marqué après une utilisation, les lèvres sont hydratées à 90%, régénérées à 82% et plus douces à 96%. Waouh, j'ai hâte d'utiliser ça. Donc voilà, pour Talika, donc profitez-en jusqu'à dimanche uniquement, moins 20% sur tout le site Talika, cumulable avec les promos en cours, ok? Que ce soit solde, etc. Et tout le reste de l'année, c'est Sarachou 10, cumulable quand même avec toutes les promos en cours. Donc voilà, profitez-en. Je vous avais montré justement sur Insta, parce qu'en fait, quand vous arrivez à la fin de votre panier, il y a marqué. En fait, il y a un petit encart pour mettre le code promo. C'est pas là qu'on met le code promo. Là, c'est le bon d'achat. En fait, c'est à la première étape quand vous ajoutez tout de suite un truc à votre panier. Ça vous met directement sur votre panier. Et là, il ne faut pas fermer. Il faut mettre le code promo Sarachou 20 ou Sarachou 10 au moment où vous mettrez, enfin, vous ferez un achat. Et c'est là, en fait, qu'il faut entrer le code promo. Le reste, c'est un bon d'achat. Okay? Donc, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ensuite, je vous montre Sephora. Je me suis commandé ces petites merveilles. Alors non, il y a Sephora et Look Fantastic. Je me suis recommandé le House Lab, le anti-cerne que j'adore, celui que j'ai utilisé aujourd'hui, le Triclone Skin Tech Concealer en teinte 31 médial médium neutral, celui que je porte aujourd'hui. Pourquoi je l'ai racheté? Parce que regardez. Voilà, il s'est cassé. Le truc, je l'ai rentré dedans, il s'est cassé, j'ai pas compris. Donc, obligé d'en recommander un. Je vais quand même avertir Sephora. Mais je l'ai recommandé parce que je l'aime trop. Sur, comment ça s'appelle? Look Fantastic, j'ai commandé. Mais vous pouvez le trouver sur Sephora, je vous mettrai les liens des deux. Ce blush de chez MAC, je l'ai pris en teinte Heat Index. C'est le Go Play. C'est celui que je porte aujourd'hui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le truc, il apporte une dimension à ta pommette, c'est incroyable. Regardez, il est magnifique. Et vous savez, c'est ce blush-là qui est mousse, en fait. Vous voyez, t'appuies, c'est mousseux. Regardez comme il est pigmenté. Regardez-moi. Et j'ai à peine effleuré. Hein. Si je frotte vraiment, regardez. Il est magnifique. Il est trop, trop, trop joli. Vraiment, j'aime trop. Bien, bien, comment dire? Bien lumineux, bien pétillant, vous voyez, pour l'été là, il est magnifique, il est un peu lumineux, c'est bizarre parce qu'il est mat, mais il est un peu lumineux comme vous pouvez le voir, il est magnifique, j'aime trop, donc il n'est pas impossible que je prenne d'autres teintes, hein, n'est-ce pas? Ensuite, Nuance, je me suis repassée commande pendant les soldes, bien évidemment, ma recharge contour des yeux de chez Nuance, ça fait plus d'un an et demi que ça c'est fini, voilà. J'en commande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ensuite, donc j'ai commandé mon rétinol 06, ça c'est la recharge. J'ai également commandé mon contour des yeux, le baume aérien. Et j'ai commandé le sérum bulle d'hydratation pour mon contour des yeux. Voilà, moins 15% sur tout le site, comme d'habitude, cumulable avec justement les promos et les soldes en cours. Sarah Chou 15, tous les codes seront listés en barre d'infos. Ensuite, je me suis passé une commande sur Space NK, mon spray fixateur Milk. Voilà, parce que le mien est arrivé au bout et en plus, ma fille arrêtait pas de me le tripoter. C'était un petit format que j'avais acheté. Ma fille arrêtait pas de me le tripoter et je sais pas si... En fait, il s'est bloqué, vous voyez, il sort en gros jet maintenant, plutôt que cette brume vraiment aérienne. Je sais pas si c'est ma fille, à force de pchiter, ou bien si c'est parce qu'il s'est bouché. Donc, j'ai commandé du coup en grand format, parce que ça c'est voilà, celui que j'utilise tout le temps, que j'aime énormément. D'ailleurs, je brille un peu. Voilà. Je l'aime trop, franchement je l'aime trop et j'en ai profité pour commander de chez The Ordinary le kit The Power of Peptide Z. Écoutez, il vaut trop le coup ce kit, je vous mettrai le lien parce qu'il est aussi dispo sur Look Fantastic avec mon code, pareil il passe moins cher, et sur Space NK. Et en fait dedans vous avez le multipeptide acide hyaluronique sérum. Attends, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, le sérum, concrètement, je n'utiliserai pas, puisque l'acide hyaluronique sur ma peau, je m'en fous. Ouais, et vous allez voir, je mets un autre truc de toute façon, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, le sérum. Vous aviez, c'est pour ça que je l'ai commandé, en fait, le contour des yeux, le multipeptide eye serum. Ce truc est génial, c'est à des poches pour hydrater les peptides, anti-âge, etc. Je l'aime beaucoup. Je le mets tous les matins dans ma routine contour des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc. Ma caméra me fait des trucs bizarres en ce moment. Et dans ce même kit, vous aviez le sérum multipeptide pour les cils et sourcils. Donc ça, je me le testerai après le Talica. Après le Talica, voir ce que ça donne. Écoutez, on verra bien. Si vous avez un avis justement sur ce soin-là, pour les cils, les sourcils, je veux bien votre avis. Donc du coup, voilà, ça valait plus le coup en fait d'acheter le kit plutôt que d'acheter uniquement le contour des yeux. Ensuite, je me suis évidemment recommandé mon sérum Mela B3, sérum concentré intensif anti-tache anti-récidive. Alors écoutez... J'ai de beaux résultats sur ma peau. Je ne sais pas si c'est ça, parce que malheureusement, juste après l'avoir commencé, pas longtemps après en tout cas l'avoir intégré dans ma routine, j'ai commencé la Peskin, vous savez, la liqueur Peskin, P25. Je ne sais pas, mais en tout cas, le combo des deux fonctionne hyper bien sur ma peau. L'arrêt du tabac, encore plus, vous voyez. Et ce que j'aime particulièrement, pourquoi je l'ai racheté aussi, c'est parce que le matin, je mets que ça sur mon visage avec mon essence. Et j'ai pas d'effet de matière, je ne brille pas, c'est pas gras, ça tout de suite, voilà, ça rentre dans ma peau, j'ai pas les pores dilatés, etc. Donc, voilà, et pour, alors, le côté anti-récidive, oui, je vous en reparlerai, il se passe un truc sur mes nouvelles cicatrices. Effectivement, mes nouvelles cicatrices ne sont pas noires, ok, elles sont juste un petit peu marronnées. Donc ça fonctionne, il se passe quelque chose. Maintenant, je veux quand même aller au bout, vous voyez, de deux flacons pour avoir un résultat optimal, ok. Comment ça s'appelle? YesStyle. J'ai passé une commande sur YesStyle. Donc, je me suis recommandé ma Time Revolution de chez Misha. J'utilise toujours la... Comment ça s'appelle? La Estéderm. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les jours où je manque un petit peu d'hydratation, les lendemains de rétinol, etc., je me mets ça pour avoir un petit peu plus d'hydratation en plus. Voilà. Ensuite, je me suis recommandé les crayons pour les yeux que je vous avais recommandé. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à en commander et vous m'avez fait vos retours. Vous m'avez dit, mais Sarah, mais ils sont géniaux ces crayons. Ils tiennent hyper bien. La tenue est ouf. 3 € et quelques. Mais oui, mais les gars, ça fait 3 ans que je vous en parle. Réveillez-vous. Ça fait 3 ans que je vous parle de ces crayons. Ils sont géniaux. Et je les avais donnés à ma maman. Ma maman était venue, elle avait testé, elle avait adoré. Vous voyez, donc là, j'ai pris des teintes. Voilà, là, j'ai pris la teinte claire. C'est la teinte 5. Et après, j'ai repris mes marrons, mais un peu plus clairs, etc. Voilà, ça, c'est des crayons. Ils sont géniaux. La tenue est parfaite. Tu peux les mettre sur tes paupières comme sur ton ras de cils. Ça tient toute la journée. C'est vraiment un gel, en fait. Vous voyez, topissime. J'ai également repris mon liner, le McQueen Waterproof Pencil. Il est génial, celui avec lequel j'ai fait mon,
mon liner aujourd'hui. Mon code influenceur Sarah 777 passe sur tout le site et est cumulable avec n'importe quelle autre promo. Donc vous avez un code promo, j'en sais rien, moi, moins 15, moins 20, moins ce que vous voulez. Vous le mettez dans le code promo et dans le code influenceur, vous mettez Sarah, S-A-R-A 777 et vous aurez une réduction supplémentaire. Voilà. J'ai également commandé, parce que c'est vrai que je ne connais pas trop les éponges en fait de chez Kia en Cap Beauty. Donc je me suis commandé deux éponges. Une, c'est la Water In Sponge de chez Misha. Voilà. Celle-ci, elle est, regardez. Voilà, elle a un côté plat et tout le reste comme ça. Très épongé, très moelleux, un peu trop même, je trouve. Et j'en ai pris une de chez Espoir, la Skinny Fix Blender. Vous voyez, elle est encore plus moelleuse celle-là et elle a un côté, voilà, comme ça, pareil, plat. Et un côté, voilà. Alors je vous dis tout de suite, celle-ci, elle n'est pas pratique pour faire le contour des yeux parce qu'en fait, quand elle est mouillée, elle gonfle énormément au point où même elle met deux jours à sécher tellement elle est hyper moelleuse et qu'elle garde l'eau. Et du coup, c'est trop gros pour faire bien le contour des yeux, vous voyez. Alors que celle-ci, comme il y a un côté plus plat, c'est plus facile. Voilà. Ensuite, je me suis commandée de chez Innisfree la Powder Puff. C'est une petite toupette comme ça. Voilà, donc écoutez, je vais tester, très doux, très moelleux, très agréable, mais j'ai pas encore d'avis, en tout cas pour l'instant, dessus. Dernier produit que j'ai reçu, c'est la marque Mezo. Ouh. Je vous explique, il y a quelques mois, il m'avait contacté, il m'avait envoyé un produit que je n'avais pas spécialement apprécié, donc je ne vous en ai pas parlé. Et là, ils m'ont recontacté, ils m'ont dit « Sarah, on a quelque chose à te proposer, est-ce que ça t'intéresse ?» Machin, j'ai fait voir, ok. Et en fait, c'est des parures de draps. Mais qui sont mais magnifiques. Je les ai vus, j'ai eu coup de cœur. Il m'a dit, code moins 30% pour tes abonnés, s'il te plaisent, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose que j'admire de la part des marques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te boycotter parce que tu n'as pas parlé de leurs produits ou parce que tu en as parlé, mais en disant que ça ne valait pas le coup, vous voyez. Et ça, j'aime. J'aime énormément les marques comme ça, vous voyez. J'ai le droit d'avoir mon avis. J'ai le droit de dire j'aime, j'ai le droit de dire j'aime pas pour tel ou tel argument. Mais ce que j'aime, c'est que... on ne te jette pas à la poubelle parce que tu ne vas pas dans leur sens, tu vois. J'aime beaucoup. Et donc là, regardez la parure que j'ai choisie. Magnifique. Vraiment magnifique. C'est vraiment de la qualité. C'est du coton. Et en fait, moi, j'ai choisi les roses. Vous savez, les roses comme ça, la poudrée, toute ma life dans ma chambre. Donc, vous avez un côté comme ça et un côté... Moi, j'ai pris celui-ci. Vous aviez le rose comme ça avec côté gris. Vous avez plein, je vous mettrai le lien du site. Vous avez plein de couleurs magnifiques. Et la qualité... Alors ça, je trouve que c'est plus des draps d'hiver quand même. C'est 100% coton. C'est quand même un peu épais. Vous voyez, vous avez un côté comme ça qui est un peu brillant, lumineux. Et l'autre qui ne l'est pas en fait. Je trouve que c'est peut-être un peu épais comme ça. Donc ça peut peut-être tenir chaud. Voilà. Bon après moi de toute façon été comme hiver je dors avec une couverture et je dors avec mes draps housse etc. Et ça regardez c'est la housse, le drap housse avec la fermeture. Donc ça c'est génial, vous voyez, avec la fermeture. Et pareil donc j'ai choisi la parure entière en fait comme ça rose avec le côté violet, j'aime trop. Et donc j'ai le drap plat lui il est violet, magnifique, franchement magnifique, je suis trop contente. Le drap plat, vous voyez, hop, il est violet, il est magnifique. Donc là, je vais aller mettre ça à laver et il est plus fin le drap plat, mais il reste quand même épais. Hein. Vous le voyez que c'est une texture, enfin c'est une matière, vous voyez, qui ne se froisse pas tout de suite, etc. Je vais aller mettre tout ça à laver avec ma lessive Ritual of Sakura et demain, je dormirai avec. Je vais kiffer, malgré que ce ne soit pas forcément d'été, comme dit, voilà, moi je sais que j'arriverai à dormir avec. Donc voilà pour la marque Zezo. Et petite mise au point les gars, on va faire une petite mise au point, rapide, ok. Merci infiniment à ceux et celles qui ont accueilli ma vidéo anti-âge avec la bienveillance que cette vidéo comprenait, c'est-à-dire pas mal de conseils, voilà, notamment des conseils qui étaient 75% de votre hygiène de vie, c'est le capital jeunesse, ok, et le reste c'est les soins, etc. Je n'ai jamais eu autant de mauvais commentaires, que d'agressivité, que de méchanceté, que de réflexion que sur cette vidéo. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, deux choses l'une. Là, je ne fais pas une généralité. Hein. Vraiment, je remercie infiniment ma communauté à moi d'amour bienveillante qui a compris cette vidéo, qui n'a pas vu une once de méchanceté dans mes propos ou je ne sais quoi. Par contre, les autres, les filles... Ah vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ah vraiment.
Je vous donne des petits exemples hein, de commentaires. Oui, mais t'as 38 ans, mais tu fais tes 38 ans. Mais j'ai jamais dit que. Je n'ai jamais dit que je faisais pas 38 ans. Le thème de la vidéo, c'est pas ça. J'ai dit 38 ans, pas une ride. Oui, bah encore heureux qu'à 38 ans, t'as pas de ride. Mais. Et c'est dommage que j'ai pas demandé l'autorisation juste avant. Je peux vous montrer mon amie, Adriana, qui a mon âge, qui est beaucoup plus ridée que moi. Adriana, je suis désolée. Hein. Bon, tu le sais, toi-même, tu me le dis, Sarah, trouve-moi un truc, regarde les rides, etc. Elle veut carrément faire du botox, pour vous dire. Elle est complètement ridée. Ici, grosse patte d'oie, là, elle est ridée, là, elle est ridée, grosse ride de lion, etc. Elle en est même complexée. Elle a même les rides ici, c'est pas des rides d'expression. C'est sa peau, ok, qui est comme ça. Donc non, je suis désolée. Tu peux être ridée avant 38 ans, ok? Tu peux avoir le visage qui s'affaisse avant 38 ans. En général, ça c'est plus tard, ok? C'est plus à voilà, ménopause, préménopause, etc. Qu'on soit pas d'accord avec des produits que je vous propose, avec des choses que je vous dis, il n'y a pas de problème. Par contre, l'agressivité, la méchanceté, les réflexions, ça vous pouvez vous les garder, d'accord? Donc là, je parle pas forcément de ces deux commentaires-là, je parle des autres où on m'a dit reste à ton make-up, c'est mieux, machin, t'y connais rien, tu parles des alcoolos, machin. Il n'y avait rien de méchant en fait mes paroles. Alors, je comprends pas. Je vous fais une vidéo de bon sens avec des compliments qui viennent des compliments, n'importe quoi, des conseils qui viennent du cœur. C'est-à-dire des conseils qui sont gratuits, qui ne coûtent rien et qui sont pour votre santé, premièrement, qui sont pour votre bien-être et qui sont à quel moment, quand tu dis aux gens dormez mieux, enfin, c'est-à-dire couchez-vous tôt, ne buvez pas d'alcool, buvez de l'eau, on vient t'insulter. Mais ça va pas, les gars, ou quoi? À quel moment tu viens te faire insulter parce que tu donnes des bons. Hey, ton médecin, quand il te dit arrête de fumer, tu fumes trop ou arrête de boire, tu l'insultes, ton médecin? Non, donc de quel droit moi tu viens m'insulter? Vous voulez quoi? En fait, c'est quoi? Vous voulez que je vous sorte un produit où j'ai 50% de commission, qui soit 150 euros et que je vous dise regardez ma peau, regardez machin et tout, c'est ça qui me donne une belle peau, c'est ça qu'il vous faut, ce produit est révolutionnaire, tatatata, et je gratte de l'argent sur votre dos? C'est ça que vous voulez? Mais moi, ça c'est pas ça, ok? Pareil, ceux qui m'ont dit oui, t'es pas médecin, t'es pas machin, en gros, retourne à ton make-up et ferme ta gueule. Alors déjà, ma chérie, t'apprendras une chose, c'est que des marques qui souhaitent me payer pour que je dise telle et telle chose sur leur produit. Il me paye, il me propose de l'argent. Il me dit, Sarah, si tu dis ça sur ce produit, tu attends. Je le fais pas. Est-ce que c'est toi, tu crois que c'est toi qui va venir et qui va me dire, ouais, rien, et que je vais fermer ma gueule? Mais alors là, pas du tout, ma chérie. S'il y a un truc que t'as pas compris, hein, c'est que Sarah, elle n'est pas là ici, ni pour lisser son image et se faire aimer des gens, ni pour dire ce que les gens, ils ont envie d'entendre, ni pour rien. Sarah dit ce qu'elle pense. Ça te plaît, c'est cool, ça te plaît pas. C'est pas grave. Par contre, le respect, moi je te respecte, toi tu me respectes. Donc maintenant, si tu as été offensé parce que je t'ai dit bois de l'eau et que tu préfères te pochetronner la gueule, eh ben torche-toi la gueule, c'est pas mon problème. Ok? Bois à outrance, torche-toi la gueule, mais viens pas me. Tu vois, si toi t'as mal pris ce petit passage, qui est en plus bienveillant, parce que c'est ce que je dis, que justement l'alcool et les drogues font des ravages sur la peau, c'est prouvé, il y a des photos avant, après, il y a des études, il y a tout un tas de choses. Si tu veux pas l'accepter, je ne peux rien pour toi. Tu veux boire de l'alcool? Pochetronne-toi, torche-toi la gueule, ce n'est pas mon problème, d'accord? Mais ne viens pas te plaindre, ne cherche pas des solutions là sur YouTube, anti-âge, truc machin et tout. Ton problème, c'est l'alcool. Alors pareil, c'est qu'on dit oui, c'est des vraies maladies, l'alcool, machin, tu en ris, tu en machin. Déjà, à quel moment j'en ai ri? J'ai absolument pas ri. Justement, je vous mets en garde que, en fait. Enfin, je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi autant d'agressivité, de méchanceté dans une vidéo conseil, de conseil gratuit, de conseil bienveillant, de conseil pour votre santé, comment elle a pu être accueillie aussi mal. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'hautain, il n'y a rien de malsain dans les conseils que je vous prodigue. Et là, je me suis mangé, voilà les réflexions. Mais ça va pas la tête ou quoi? Non, non, vraiment, ça va pas. Et moi, comme dit, je suis ni votre victime, ni votre copine pour me manger vos réflexions sur des trucs. Encore, j'aurais dit quelque chose de vraiment méchant, de blessant, de quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est totalement injustifié. Donc, vidéo conseil, de ce que je comprends, faut plus que j'en fasse. Mais vous savez quoi, j'en ferai toujours. Parce que pour ma communauté à moi, bienveillante et qui sait accueillir et qui comprend, c'est pareil, il y a des choses, c'est Sarah Chou, vous savez très bien, il ne faut pas prendre au premier degré tout ce que je dis. J'ai une façon de parler, j'ai des mots que j'utilise, etc. Il n'y a rien de méchant, c'est ma personnalité, c'est ma façon de parler. Ça ne te plaît pas, ma chérie, t'es blessée, t'es heurtée, t'es machin. Va voir quelqu'un d'autre qui utilisera des mots, voilà, qui iront dans ton sens, qui seront tout lisses, qui te vendront des produits à 150 balles, qui auront des 50% de commission, etc., qui n'ont rien à foutre de ta gueule, d'accord? Va. Il y en a pour tous les goûts sur YouTube, ok? Il y en a pour toutes les personnalités, il y en a pour toutes les recherches, il y en a pour tout type de peau, il y en a pour tout le monde.
inutile d'être méchante, d'être agressive, d'être de mauvaise foi, parce que alors, c'est pareil, alors, ça, la mauvaise foi, j'ai pas compris. Franchement, je n'ai absolument pas compris. Voilà. Et pour certaines, quand je vous ai répondu avec justement des arguments à ce que je disais, eh ben là, vous avez supprimé vos commentaires. C'est vraiment petit. Si ta foi en ce que tu dis et si ton agressivité et ta méchanceté, elle est justifiée, pourquoi ne débattons pas? Pourquoi ne peut-on pas débattre? Voilà. Hein, là, tu te rends compte que, ou alors c'est que tu avais trop teasé, j'en sais rien, t'as vu cette vidéo, t'étais en train de teaser, voilà, t'as fait ton commentaire plein de haine, etc., parce que ça t'a pas plu le coup de l'alcool et machin, et puis hop, t'as effacé ton commentaire. Après, le lendemain, t'étais à jeun, t'as effacé ton commentaire parce que tu t'es dit que, voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, moi, comme dit, je suis pas la victime des gens, je suis pas non plus votre copine, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de respect à avoir. Moi, je vous respecte, donc respectez-moi. Pour toutes les autres qui ont accueilli la vidéo comme il se doit et qui l'ont comprise, qu'il n'y avait rien de méchant, rien de malsain dans mes propos, et que c'était juste des bons conseils, et encore une fois, des conseils, c'est pas des ordres, c'est pas une prescription médicale. Si tu ne peux pas dormir tôt, ne dors pas tôt, c'est pas dramatique. De la même façon que je vous dis, ne fumez pas, ne machin et tout, j'ai fumé pendant des années, ok? Maintenant, moi, je vous prodigue les meilleurs conseils. Mais quand je vous donne des conseils, je dis pas que moi, c'est ce que je fais, que je suis la meilleure, que caca. On n'est pas dans le jugement, les gars, ici. Vous le savez très, très bien. On est dans les conseils, on est dans la bienveillance et on est surtout dans le bon vivre, dans le sens où c'est des questions de bon sens. À aucun moment, je peux vous inciter à fumer, vous dire fumer, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour votre peau, continuez à fumer, c'est pas grave. Non. Et pourtant, vous avez vu, moi, jusqu'à il y a peu de temps, je fumais encore, et je vous disais, ne fumez pas. Voilà, ne fumez pas, je veux arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer, tatati tatata. Voilà. Et là, personne m'est tombé dessus en disant, ouais, tu donnes des conseils, mais tu fumes, mais caca. Non. Là, je vous donne des conseils de bon sens et on me dit, mais t'es pas médecin, retourne à ton make-up, retourne à ton truc. Bref, voilà, c'était petit aparté. Et ce matin, je suis partie regarder une vidéo de Pibou. En fait, sur le nouveau sérum, la The Ordinary, là, qui m'intéressait, justement, grâce à sa vidéo, j'ai vu qu'il y avait de l'acide, un dérivé d'acide azélaïque, donc je l'achèterai pas. Je vois quoi en commentaire tu peux arrêter de. Faudrait peut-être enlever le balai que t'as dans le cul. T'es trop coincé, tatata, arrête de te donner un genre, je sais pas quoi. Mais on est où là? Mais Pibou, elle te plaît pas. Enfin, je prends l'exemple de Pibou, mais c'est parce que c'est ce que j'ai vu ce matin. Elle te plaît pas, sa façon de parler ne te plaît pas, son contenu ne te plaît pas. Mais dégage! Pourquoi t'es aussi méchante? Pourquoi t'as besoin de venir l'attaquer, à dire oui, ton balai dans le cul, ton machin? Mais dans la rue, quand tu vois quelqu'un qui a un mauvais physique, selon toi, hein, parce que tout est relatif. Quelqu'un ne te plaît pas, son parfum ne te plaît pas, sa tête ne te plaît pas, tu vas pas le voir, tu pues trop toi, toi t'es trop moche, toi j'aime pas tes dents. Non, tu fermes ta gueule, tu traces ta route, tu fermes ta gueule. Pourquoi là derrière un écran t'as le besoin comme ça de venir et de cracher ta haine, ta méchanceté? C'est que t'es frustrée ma pauvre chérie, hein. C'est que t'as un problème d'identité, tu t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as pas de vie, quand bien même t'es tout ça dans ta vie, t'es pas aimé en fait, t'es pas aimé, tu t'aimes pas, et donc pour attirer l'attention, pour avoir un peu d'attention de quelqu'un, parce que t'as pas celle de ton mari, de tes enfants, t'as une vie minable, et ben t'as besoin d'être méchante, et là la personne va, tu vois, soit te répondre, soit te bloquer, soit te machin, et tu te sens bien, tu te sens forte, parce que t'as été méchante avec cette personne. Mais moi, je comprends pas, en fait. Alors, il y a des influenceuses, comme dit, qui laissent passer. Moi, je laisse pas passer. Voilà. Je vous bloque pas, je vous machin et tout. À part quand il y a des trucs, on m'a déjà sorti, oui, tu... Alors, il y en a une, mort de rêve, c'était il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo parfum. Tu parles de musc. Donc, le musc, c'est la propreté. Mais toi, t'es une beurette. Non. Que tu veux répondre à ça? Moi, je réponds pas à ça, je bloque, parce que là, c'est carrément de la connerie. Il est où le rapport? Il est où le rapport? C'est pareil, commentaire raciste, truc machin, ça se dégage direct. Voilà. Religion, racisme, machin, ciao, bye bye. Là, j'ai pas le temps pour ça, ok? Donc, bref, quoi qu'il en soit, pour les autres, mes amours d'amour, et vos merci, encore une fois, pour vos encouragements, votre soutien. Petit cadeau pour vous, parce que moi je vous aime et vous m'aimez et on se le rend. Voilà, et comme toujours, dès que je peux vous gâter, je vous gâte. Dès que c'est dans mes moyens, dans mes capacités, je le fais, vous le savez. Et voilà, pour vous remercier de votre soutien et de votre bienveillance et de vos encouragements, petite cure pro-collagène minceur de chez Delab. C'est pas trop tard, puisque l'été n'a toujours pas commencé. Pour la plupart... pour une grande zone de la France, en tout cas, donc c'est pas trop tard. Votre petite dose de collagène quotidienne et votre dose de solaire, donc pour mieux bronzer. Fumeur, ex-fumeur, c'est pas pour vous.
Voilà, parce qu'il y a de la bêta-carotène et c'est déconseillé, vous savez, quand on a été fumeur, ex-fumeur. Pour participer, donc YouTube n'est pas sponsor ni engagé dans ce concours. Sarah Chou seule est engagée dans ce concours. Il vous suffira d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire pour me dire que vous souhaitez participer. Le concours est ouvert en France, en Belgique. Il est ouvert de aujourd'hui, le 13, on est, voilà, du 13 juillet jusqu'au 1er août. Non, on va ouais, ça fait 15 jours. Ouais, allez, parce que faut pas que vous l'ayez non plus en octobre, vous voyez, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc je l'enverrai le jour même où la gagnante ou le gagnant sera sélectionné. Ok. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci encore d'être vous et avec votre gentillesse, votre sympathie, votre bienveillance, votre ouverture d'esprit, votre non-jugement pour les autres. Voilà, ciao, bye bye. Il n'y a pas le temps ici pour ça. Tu vois, comme dit, des contenus, des créateurs de contenu, il y en a mille. Si certains tolèrent, c'est bien pour eux. Moi, je ne tolérerai pas la méchanceté, l'agressivité, la mauvaise foi, voilà, quand c'est pas justifié. Si c'est justifié, si à un moment donné, j'ai des propos, effectivement, qui peuvent être vraiment blessants, méchants, rabaissants, etc., il n'y a pas de problème, attaquez-moi, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, quand c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté, de l'agressivité gratuite, juste parce que j'ai dit qu'il faut pas boire d'alcool et que t'as un petit penchant visiblement pour l'alcool et que tu t'es senti justement offensé par ces propos, ça c'est pas mon problème ma chérie. Voilà, moi c'était une vidéo de bon sens, de bienveillance, de bon sens tout simplement en fait. Ne protège-toi du soleil. Vous voyez, moi-même pendant des années, je vous l'ai dit, je ne me protège pas du soleil parce que j'en ai eu marre, parce que psychose, parce que truc, parce que machin. Mais pour autant, je vous disais, vous protégez-vous. Voilà, c'est ça le bon sens, et c'est pas du jugement, parce que pourquoi vous n'êtes pas venu me taper dessus à ce moment-là, là, en me disant, mais attends, tu dis machin, mais toi tu te protèges pas, tu machin, donc ça veut dire que tatati tatata, ça sert à rien de se protéger, machin. Non, personne m'est jamais tombé dessus, et là vous me dites, oui, ben moi je me protège, oui, oui, je comprends Sarah, effectivement, moi aussi à un moment donné j'ai rétrogradé, ah ben moi Sarah je mets de la protection solaire, j'en suis convaincue, et ça fait du bien à ma peau, et maintenant c'est un automatisme, je le fais toujours, mais en aucun cas j'ai reçu autant de méchanceté, d'agressivité, de, vous voyez, de tout ça, voilà, donc bref. Je vous fais de gros bisous, on se retrouvera, alors je vous dis pas peut-être dimanche parce que je pourrais peut-être pas, mais comme d'hab, si je peux vous faire un live, il faut que vous soyez abonné, vous recevrez en fait le dimanche matin une notification de la part de YouTube où il y aura marqué live à telle heure, ok? Si vous recevez rien, c'est qu'il n'y a pas de live, mais promis, je vais vous faire un live rapidement parce que ça me manque, j'ai besoin de parler avec vous, j'ai besoin d'échanger en live avec vous, vous voyez? C'est juste qu'en fonction du planning, en ce moment, c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera mardi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao !